nous invitons à la prière. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au Kombo Yanzambe, Tata, Moana, Pe Molimo, Mosanto. Bon et tendre Père Céleste. Tata Malamu, Zambe Alikolo. Nous sommes très reconnaissants à votre égard. Parce que tu fais beaucoup de bonnes choses. Et tu nous aimes tant. Raison pour laquelle nous sommes venus pour te louer et te glorifier. Père éternel, tu es omnipotent, omniscient et omniprésent. Tata yonde oyebi manso ozana bisika biso pe ozana makoki ya kosala manso. Tu connais toutes choses, Père éternel. Oyebaka makambu nyonso, Tata. Donne-nous la bénédiction. Donne-nous la bénédiction qui convient. Pesa biso lipamboli na yo. Et donne-nous beaucoup de force et de courage. Pesa biso mpe bokasi nyonso esengeli. Afin de continuer sur ton chemin. Pour ce matin, nous sommes venus ici pour te glorifier. Pour te louer. Parce que tu es tout pour nous. Sans toi, il n'y a pas la vie pour nous. Nous te remercions parce que nous avons la responsabilité qui est venue de toi-même. Fais en sorte que le service divin de ce matin soit tenu par toi-même. Bénis les frères et sœurs, le serviteur de ta maison, et surtout nous prions pour nos porteurs de bénédictions. Donne beaucoup de courage et de force. Tata pesa biso bokasi mpe bopikiliki et de courage. Molende. Surtout beaucoup d'intelligence pour nos portées de bénédiction. Mingi mayele ebele mpona musala oyo. Pour qu'ils parviennent à prendre de bonnes décisions. Pour qu'ils parviennent à prendre de bonnes décisions. Envie de bonne marche de ton œuvre. Ici, nous souvenons, Père éternel, pour ceux qui sont malades. Nous prions aussi pour ceux qui ont perdu les lèvres. Ceux qui sont dans des souffrances. Et surtout, les âmes de l'au-delà. Nous voulons qu'il y ait la paix dans notre pays et surtout dans tous les pays du monde. Même s'il y a le virus qui nous menace, nous n'avons rien à craindre parce que nous nous soumettons sous ta main. Parce que chez toi, sous ta main paternelle, nous sommes dans l'abri de toute surprise désagréable. Sois avec nous pour ce service divin, Père éternel. Que ton Esprit Saint scelle, puisse nous enseigner. En unité d'esprit avec notre apôtre de l'Église, apôtre patriarche. Nous vous demandons tout ceci au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, bandeko basi mpe mibali, chers invités, papa na biso, nous vous souhaitons tous le bienvenu à l'hôtel. Tozali kotombela biso boye bolamu na katikati ya ndako ya Nzambe. Pour ce service divin de ce matin, nous avons une parole qui est tirée de Jacques, chapitre 3,
chapitre 5, Mokapo ya mitano, 16e verset B, c'est-à-dire deuxième extrait. Namolongo ya zomi na sambo etenya mibale. Je peux lire. Okotanga. La prière fervente du juste a une grande efficace. Lo sambo ya molende ya moto ya bosembo ezali na nguya mingi penza. Jusque là, prenez place. Kino wana toko fanda. Et les choristes peuvent nous entonner un cantique. Baembi ya nzembo bakopesa biso nzembo. Chers frères et sœurs en Christ, Bandeko, basipe mi balikati na Christo, je suis très heureux ce jour Nazalina esengo mingi na mukolo lelo, d'être parmi vous pour ce service divin. Ya kozala kati na bino pona losambo oyo. C'est pour cela que je suis d'ailleurs très reconnaissant. Ndetina Nazalina koto botondi mingi koleka. Et en outre, je remercie aussi l'Éternel pe Nazali koto nda Nzambe na biso pour l'opportunité. Bien-aimés, nous devons vraiment faire ce qui est possible Bandeko esengeli to sala o ekoki ko salema pour en profiter de ce que Dieu fait pour nous. Mpoete to bandeko zo bolamu ya o ezo salema mpona biso. Parmi les biens que l'Éternel a fait pour nous, na bolamu o Nzambe asalikati na biso, on peut citer les services divins. C'est un grand bien. En regardant la période dans laquelle nous nous trouvons, on peut dire que nous sommes dans une période de disette. On ne pouvait même plus attendre de la parole de Dieu. Mais Dieu nous aime. Il a fait le nécessaire pour que nous ne puissions pas être comme ça sans toutefois à entendre la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a ce vie divine aujourd'hui. Mettons ça en pratique. Nous voulons tirer en profit chaque ce vie divine qui se passe. Même si aujourd'hui la communauté ici est vide, Atako le lo awa disanga o ezapolele, mais vous êtes dans des maisons
Vous êtes en train de suivre les services divins. Mais ce n'est pas différent à une personne qui est dans la communauté là où elle est en train de tenir les services. Et que ce n'était pas le cas. C'est pourquoi nous devons tirer à profit de tout service divin. Être présent peut-être chez toi dans ta maison avec la télé pour suivre. Ce matin, en préparation de ce service divin, je lis un passage biblique. Dans Psaume, chapitre 130, verset 6. Là, l'auteur de Psaume chante, j'ai dit, je cite, Bambate Moembi Anzembo Azali Kolobaboye. Mon âme attend, compte sur l'Éternel. Plus que les gardes ne comptent sur le matin. Mosuke nangai etaleli kaka yo mpe zali kozela bolamu epana yo. Que cela veut dire? Engi koloba. Chers frères et sœurs, nous devons compter sur l'Éternel. Ndekonanga mwasi ndekonanga mobali esengeli totela nzambe motema. Parce que l'Éternel a tout. Pamba te nzambe azana manso. Quand l'Éternel te protège, ce qui nzambe azobatela yo, aucun mal ne peut t'arriver. Mabe mokote eko komela yo. Si on dit je compte sur toi, ce qui balobi tozali kotela yo motema, c'est que on donne à la personne là toute notre confiance. Elingi koloba tozali kotia motema na biso mobimbe pa mutu wana. On donne à la personne là toute notre affection. Bazali kotia kopesa bolingo nyonso e pa mutu wana. Et nous sommes sûrs que il va nous aider à toute situation. Raison pour laquelle nous devons vraiment avoir beaucoup d'estimation à notre Père Céleste. Il est omniprésent. Il est omniscient. La seule personne qui est partout au même moment, c'est Dieu. La seule personne qui connaît toutes choses, c'est Dieu. Lui, il fait des choses par peut-être nous, on ne comprend pas tout de suite. C'est pourquoi en Ésaïe chapitre 55, verset 9, il est écrit que autant la terre est élevée au-dessus de la terre plutôt. Autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées, mes voix au-dessus de vos voix. Lolenge moko makansi nangai etombwami liboso makansi nabino pe banzela nangai. Nous ne voyons pas la même chose avec lui. J'ai suivi lors du service de la Pentecôte. L'apôtre patriarche disait que si nos calendriers a été bouleversé, Thomas Mokonzi alobakete ce qui manaka na biso ebongwamaki. Le calendrier de Dieu n'est pas bouleversé. Parce qu'il fait des choses à sa manière. Chers frères et sœurs en Christ, chez notre Père Céleste, Lazare n'est pas de Dieu. Parce qu'il a déjà planifié toutes choses. Revenons à la parole du jour. La prière fervente du juste est efficace. L'osambo ya
Quand est-ce qu'une prière peut être fervente ou agissante? Si seulement cette prière est emplie d'une foi d'enfant. Ezali kaka soki losambo oyo etondisami na bondimi ya bomwana. Si seulement cette prière là est emplie de la confiance. Kaka soki losambo wana etondisami na botieli motema. Et si seulement si cette prière là est emplie de l'espoir. Kaka soki losambo wana etondisami na elikia. Et si cette prière est emplie de l'humilité. Chers frères et sœurs en Christ, chers serviteurs de Dieu, chers visiteurs. Bandeko basimpe mibali kati na Christo, bandeko basali pe bapaya. Par rapport à l'humilité, je peux vous donner un exemple biblique. Na kotala bomikitisi na kopesa bino ndakisa oyeza na kati ya Biblia. Il y avait un jour deux personnes qui sont allées au temple pour prier. Mukolo mususu ezalaki na batu mibale o bakendeki na tempelo pona kobondela. Il y avait un pharisien et un publicain. Ezalaki na mufarizayo na mupublicano. Mais le pharisien en premier lieu frappa la poitrine pour prier. Mo pharisayo nde muto abandaki pona kobondela. Ô Dieu, sois apaisé vers moi. Je ne suis pas comme d'autres personnes qui sont ravisseurs, pillards, adultères. Et même pas comme l'autre ici, ce publicain. Exauce ma prière. Et tandis que le publicain avait prié. Il n'a même pas voulu oser de lever ses yeux au ciel. Il avait prié au Dieu, aie pitié de moi. Moi je suis un pécheur. Exauce mes prières. La Bible nous renseigne que parmi les deux, c'est le publicain qui était rentrer chez lui justifié. Biblia ezako yef sapete na batomi balé oyo ou publicano nda zonga ki pa na ye na ye no. Je ne sais pas comment nous prions. Na yebite to bonde la kandenge nini. L'attitude qu'avait connu le publicain. Lo lenge mo publicano asalaki. C'était pas bonne. Ezalaki penza malamute. Et pour, c'est pour cela, chers frères et sœurs en Christ. Nous devons imiter le publicain. Et en faisant cela, notre prière sera forte. Et notre prière sera agissante. On a aussi parlé d'un homme juste. Quand est-ce qu'une personne peut être juste? S'il fait la volonté de Dieu. S'il évite des péchés. Nous devons tout faire pour être juste aux yeux de l'Éternel. Un homme juste, c'est celui-là qui marche très bien, vraiment très bien. Moto oazana bosembo ezali oaza kotambola kotambola na alima. Et quand vous regardez le serpent, ce qui botali nyoka, comment le serpent marche? Le lenge kanya tambolaka. En le voyant, tu n'as même pas l'idée. Ce que tali okoko kanisa kutu bongota. Parce qu'il fait semblant de partir, de revenir ou de partir d'à côté. De telles personnes ne sont pas justes. Un jour, nous étions avec notre apôtre du district. Il avait donné l'exemple
Il avait donné un exemple par rapport au péché. Apesaki ndakisamoko na mayamatali masumu. Donc nous devons fuir les péchés, chers frères et sœurs, pour être justes. Et sengeli na biso bandeko basi mpe mibali tokima masumu po tozala bato abosembo. Il avait donné l'exemple d'un hameçon et l'appât. Apesaki ndakisa ya ndobo na muchopi. Comprenez, quand le poisson vient pour avaler l'appât, le poisson ne voit pas l'hameçon. Il prend seulement pour avaler. Mais quand la paille est avalée, comme il y a l'hameçon dedans, je vous dis, le poisson est attrapé par les pêcheurs. Donc, quand on est en train de pécher, c'est bien bon. Mais c'est un piège que le diable a placé dedans. Il y a d'autres péchés qui font plaisir. Mais au-dedans de ces péchés-là, il y a des conséquences néfastes. Alors nous devons éviter des péchés. Raison pour laquelle, chers frères et sœurs, nous devons prier à toutes choses, en toute situation. Nous allons prier sincèrement pour le Saint-Esprit. Et nous prions aussi pour les choses spirituelles. À leur temps, les apôtres avaient demandé à Jésus-Christ de leur montrer, comment on peut prier. Na tangu na bango bantoma batunaki na Christo alakisa bango ndenge nini bakoko bondela. Et c'est par là qu'il les a enseigné la prière de notre Père. Et si nous regardons bien, ce qui totali malam, ce qui importe dans la prière, ce n'est pas une prière kilométrique qui doit être exaucée. Mais ce qui importe plus, l'attitude de celui qui prie. Pour que nos prières soient exaucées, nous devons avoir une attitude telle qu'on a fait, on a dit jadis ici. Éviter des choses qui n'est pas importantes, qui déplaisent à notre Père Céleste. Et sengeli to ki mampe to tika. On peut prier du matin au soir. Si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, cette prière-là ne peut pas être exaucée. C'est comme on fait les dieux de Baal. Ils ont prié du matin et du soir, du matin jusqu'à midi, sans toutefois qu'il y ait l'effet pour brûler le bois qui était mis. Babondela ki kobanda tongo kino na simanzanga moto epelisa ki konite. Parce qu'il faisait des choses à l'encontre de notre Père Céleste. Bambate bazali kosala makambo eza kotambula lolenge moko te na nzambe na biso ya likolo. Nous devons tout faire pour plaire à notre Père Céleste. Esengeli tosala manso mpona kosepelisa tata na biso ya likolo. À l'instar d'Élie. Lolenge ya Elia. Il était une personne de la même nature que nous. Azalaki moto lolenge moko na biso. Il avait prié pour qu'il n'y ait plus la pluie dans le pays. Pendant 3 ans et 6 mois, il n'y avait plus pluie. Mbula misato mpe sansa motoba mbule betakate. Et après, il avait aussi prié pour qu'il y ait la pluie.
Et il avait plu en abondance. Et la terre avait donné son fruit. Mpe mabele ebotaki mbuma na yango. Faire la volonté de Dieu, chers frères et sœurs. C'est d'être en communication avec notre Père Céleste. Et pour que nos prières soient exaucées, nous devons faire la volonté de notre Père Céleste. Parce que la prière, c'est une possibilité que notre Père Céleste a donnée à l'homme d'être en communication avec lui. Pour toute chose qui nous dérange, il faut dire à notre Père Céleste. Chez notre Père Céleste, il connaît d'abord toutes choses. Mais quand nous avons une situation trouble qui nous fait déranger, il n'y a pas une autre personne que nous pouvons dire. Nous disons toutes choses à notre Père Céleste. Donc comprenez, chers frères et sœurs, il n'y a pas un sujet tabou. Il faut lui tout dire. Parce que c'est à lui qui est la vie. Le futur d'une personne humaine appartient à notre Père Céleste. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il nous assiste à tout moment. Et souvent, il fait des choses merveilleuses à notre égard. Nous voulons que cette parole, chers frères et sœurs, renforce notre foi. Pas seulement aujourd'hui, mais jusqu'au jour du Seigneur. Amen. Amen. Dieu est grand, nous avons notre apôtre Christophe Kabongo qui est aussi avec nous ici. Zamba Zamalamu, Tozampe Nantoma Nabiso, Christophe Kabongo, Oazakat Nabiso. Il peut venir servir à l'hôtel. Akoyampe Kole Sabiso na Mesa. Et pour ce faire, nous demandons à la chorale pour préparer le chemin. Pona yango, Tosengi na Bayambia Nzembo, Babong Sabiso Nzela. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Balingami basi pe mibali katna Christo. Il est dit dans l'épître aux Hébreux ce qui suit. Et komami na mukanda ya bayebele o elobiboye. Le juste vivra par la foi. Bato abosembo bakozala na bomoi katna bondimi. Cela veut dire que sans la foi, et ikolo ba soki bondimi ezate, on ne peut pas vivre. Parce que la foi nous permet de croire que Dieu existe. Et quelque part, il est dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que ce Dieu-là existe. Et si comme nous le sommes, et ici, il a été question de la prière du juste.
Awa ezali bazakolo blabiso lo sambo ya muto abosembo. L'apôtre nous a dit que la prière c'est le moyen par excellence par lequel l'homme entre en contact avec Dieu. Ntoma ayebisi biso ete lo sambo ezali nzela oyo elongobani o wapi ezali kokotisa biso na bomoko na Nzambe. Mais comment on peut s'adresser à un Dieu en qui on ne croit pas l'existence? Ndenge nini toko kopusana tokoloba na Nzambe o wapi tondimi tete azalaka? Si nous ne croyons pas que Dieu existe, comment allons-nous lui adresser nos prières? Ce qui tozali kondima tete Nzambe azali lolenge kani tokoki kopesa losambo na biso pa na ye. Et dans l'enseignement de Jésus, il avait dit na matea ya Christo alobaki: cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Boluka liboso bosembo mpe bokonzi ya Nzambe. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Oyo tikali ekopesamela bino ya pamba. Bien-aimés frères et sœurs en Christ. Bandeko basi pe mibali kati na Christo. Quel est le contenu de nos prières? Losambo na biso etondisami na nini? Qu'est-ce que nous recherchons dans nos prières auprès de notre Dieu? Nini tolukaka na katia losambo na biso epa ya Nzambe na biso? Des fois vous allez constater que dans nos prières nous préoccupons de ce qui concerne notre existence terrestre. Ngonga mususu tomona kete na katia losambo na biso tozali kotala kaka o etali bozalisami na biso nzoto. On multiplie des paroles pour expliquer à Dieu ce qui nous dérange sur le plan charnel. Tozali koloba maloba ebele epa ya Nzambe. Peut-être ce qui concerne notre santé, ce qui concerne notre vie professionnelle, ce qui concerne l'avenir de notre famille. Et pourtant le Seigneur Jésus a dit: cherchons d'abord la justice et le royaume des cieux. Zokande nkolo Yesu alobaki ete boluka liboso bosembo mpe bokonzi ya Nzambe. Là, nous devons comprendre que nous devons nous soucier d'abord de notre vie spirituelle. Parce que c'est ce qui va nous pousser à rechercher la justice de Dieu. Cette justice veut nous amener dans le royaume éternel. C'est pourquoi l'apôtre nous a dit: un juste c'est celui qui fait un effort pour mettre en pratique la volonté de Dieu. Et de notre propre force, nous ne pouvons pas y parvenir. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus nous a doté des dons spirituels. Et l'apôtre patriarche a dit: l'esprit que nous avons reçu a pour mission de nous transformer. Quel est l'effort que nous faisons pour atteindre cette stature de notre Seigneur Jésus-Christ en nous? Si chacun peut comprendre que je suis faible à tel endroit, dans tel aspect, ce qui motona motoko sosolete naza moto abotau na likambo songolo pakala. Et dans sa prière de tous les jours, il demande l'aide de Dieu. Pe na losambo na ye ya mokolo na mokolo azali kosenga lisalisi ya Nzambe. À travers l'efficacité du Saint-Esprit, nous recevrons les forces nécessaires pour vaincre nos faiblesses. Et là, nous serons appelés les justes de Dieu. Mais quant à notre existence terrestre, nous devons nous battre comme tout le monde pour survivre. Il y a pas mal de métiers ici-bas qui permettent aux gens de gagner leur vie. Et nous ne pouvons pas croiser les bras et dire que nous sommes enfants de Dieu, Dieu va nous venir en aide. Nous ne pouvons pas perdre notre temps en priant tous les jours: donne-nous le pain de ces jours, donne-nous le pain quotidien.
on a conseillé pas en Zambie, tata, pesa biso lipa mokolo, pesa biso lipa mokolo. Tant que nous ne faisons rien, ce qui t'osons à l'autre côté, nous ne recevrons pas ce pain-là. T'okozwa lipa en côté. Voilà pourquoi nous devons utiliser notre force et notre intelligence. Tala, tina nini sengeli kosali samakasi na biso mpe boyebi na biso. Pour faire quelque chose afin de survivre. Et ce que nous faisons, notre Dieu va déposer sa bénédiction là-dessus. Et nous devons faire un effort pour que notre état spirituel soit juste devant Dieu. Être aussi juste, c'est penser à l'avenir de l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes appelés à prier aussi pour le développement de l'œuvre. Et lorsque nous serons dans cette unité spirituelle, lorsque nous croyons fervement que notre Dieu existe, nous allons comprendre que nous n'avons pas de revendications à faire auprès de notre Dieu. Nous allons comprendre que tout ce que Dieu peut nous donner, c'est une grâce. Et là, nous allons auprès de lui à travers nos prières avec beaucoup d'humilité. Nous devons nous armer aussi de la patience. Car tout ce que nous demandons à notre Dieu, il n'est pas obligé de le faire à tout à fait ses centres. Nous gardons notre patience et il va réagir à temps opportun. Et celui qui n'a pas la vie de prière n'a pas la foi. Celui qui n'a pas la vie de prière n'a pas la foi. Nous ne devons pas prier seulement dans le cercle familial. Mais le Seigneur Jésus, en son temps, il le faisait aussi. À chaque moment, il pouvait aussi se retirer à l'écart pour prier. Prenons aussi le temps de prier personnellement pour tout ce qui concerne notre vie spirituelle. Dans l'humilité et dans la patience, l'Éternel nous accordera plus que tout ce que nous pouvons demander en parole. Que l'Éternel nous bénisse aujourd'hui à jamais. Amen. Amen. Comme a dit l'apôtre ici, nous devons mettre un accent particulier sur les choses spirituelles. Raison pour laquelle il a dit chercher premièrement le royaume des cieux. Nous devons créer de l'espace au Saint-Esprit. Faire mourir l'ancien Adam. Nous voulons que le Saint-Esprit nous prépare pour le royaume à venir. Parce que le Saint-Esprit est le créateur de la vie à venir. Il est en train de nous préparer pour cela. C'est pourquoi nous avons dit ici avant que nous ne devons pas être esclaves. Esclaves des choses de ce monde. Et nous devons faire un effort pour être toujours en communication avec notre Père Céleste. Parce que là où l'Esprit de Christ agit, Dieu est là. Christ est en œuvre.
Christ azali wana. Et nous avons la liberté. Il n'y a aucune chose qui peut nous perturber. C'est pourquoi nous devons encore beaucoup prier. L'apôtre a parlé aussi de la patience ici. La prière fervente implique aussi la patience. Si quelqu'un frappe à la porte pour entrer, mais il ne peut pas entrer sans tout ce qu'on lui permet d'entrer. Il doit attendre jusqu'à ce qu'on lui dise qu'entre, comme ça il peut entrer. Cela est de même pour notre Père Céleste. Nous lui devons beaucoup de respect. Nous ne sommes pas exigeants à son égard. Lui, il connaît de bonnes choses pour nous donner. Les hommes sont très méchants, les mêmes méchants que nous sommes. Si nous donnons de bonnes choses aux gens, aux enfants, à nos enfants, à combien forte raison notre Père Céleste peut nous donner de bonnes choses? Ce qui biso bato amabe to pesaka babilo ko epa bana na biso. Boni boni tata nzambe o azamba la makopesa biso yango. Il est capable de donner le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Ya zali na makoki akopesa biso o ezali ntina. Et il sait quelle chose qu'il peut nous donner. Pe ayebi eloko nini akopesa biso. Même si l'enfant est en train de pleurer pour qu'il peut prendre de l'acide pour boire. Atako mwana azali kolela. Est-ce qu'un bon parapet donné à son enfant l'acide? Parce que dans, il connaît que si je donne l'acide à mon enfant, il va mourir. On cherche rien que de bonnes choses pour donner à nos enfants. C'est pour cela notre Père Céleste ne peut pas. Ne peut pas en aucun cas nous donner de mauvaises choses. Il nous donne de bonnes nourritures au moment idéal. C'est comme le cas pour le moment. Ça, c'est pour notre bien-être spirituel. Oyo ezali mpona bolamu na biso ya molimo. Nous devons être vraiment, chers frères et sœurs, mettre dans nos cœurs que notre Père Céleste est vivant. Il nous protège. Et il continue à nous protéger. Il sait nous donner de bonnes choses et au moment idéal. C'est pourquoi en Jérémie 29, 11, il est écrit. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur. C'est pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Mettons toutes choses aux mains de notre Père Céleste. Même s'il y a une situation telle que maintenant le coronavirus, mais lui-même sait, il connaît pourquoi cela. Mais quant à nous, continuons à prier. Et Dieu va nous aider. Zambe a kosali sabiso. Pour que toutes choses soient remises en ordre. Nantinete makambo manso mazonga na kata molongo. Que le Très-Haut puisse nous donner beaucoup de bénéfices à travers cette parole. Ikete walikolo apambola bino lisusu mingi koleka. Que cette parole soit aggravée dans nos cœurs. Pe liloba oyo efanda na kata mitema na biso. Jusqu'au jour du Seigneur. Ino mokolonkolo akoya. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons maintenant arriver dans un moment très très capital. Nous allons recevoir le pardon de nos péchés. Il y a un préalable.
Nous devons reconnaître nos péchés et regretter. Quelqu'un qui regrette ses péchés, lui, il peut avoir le pardon de ses péchés. À l'instar du publicain, il a reconnu ses fautes. Et il a pleuré pour ça. Et lui, il est rentré chez lui justifié. Dieu va nous pardonner si nous regrettons nos fautes. Nzambe akolibisa biso soki biso yo tomileli mpona masumu na biso. Et prendre une décision de ne plus pécher. Bekozwa mukano ya kosumuka lisusu te. C'est pour cela nous invitons la chorale pour un cantique de repentance. Dentina tozali kosenga na bayembi bapesa biso nzembo ya bobongo likotema. C'est pour préparer nos cœurs. Wana mpona kobongisa mitema na biso. Je demande à la chorale pour un cantique de repentance. Nazo senga na bayembi ya nzembo kuna nzembo ya bobongo limotema. De vous tenir debout et réunissons-nous dans la prière que le Seigneur nous a enseignée, la prière de notre Père. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Maintenant, je vous annonce la bonne nouvelle. Sikawa nazali kosakula bino sango malam. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, au kombo ya nkolo na biso Jésus-Christ, mwana nzambe ya bomoi, vos péchés vous sont tous pardonnés. Masumu na bino malimbi sami. Que la paix de la ressuscité soit avec vous. Pe kimia ya mosekwi ezala na bino. Amen. Amen. Tendre Père Céleste, Tata walikolo, nous te remercions pour toutes choses. Totondi yo mpona maso. Pour le pardon de nos péchés, nous vous disons merci. Pona bolimbi sa masumu na biso totondi yo. Pour la parole du jour, nous vous disons merci. Pona liloba mokolo totondi yo. Nous te disons merci pour les frères et sœurs que toi-même tu nous avais confiés. Et nous te remercions pour tous tes bienfaits. Permets, Père éternel, que nous soyons avec toi dans toutes circonstances. Donne-nous la possibilité de mieux comprendre ta volonté. Donner un avenir radieux à ton église.
Pona lobby ya malonga pon eglise na yo. Et nous voulons toujours être en communication avec nos vases de bénédiction. Tulingi ete totondi samatangu nyonso na molimo mosantu na kati ya bomo inabiso. En unité d'esprit avec notre apôtre d'ici apôtre patriarche. Na bumoko ya losambo na ntoma na biso ya district. Et toutes les apôtres du Seigneur. Beba ntoma nyonso. Que leur prière nous couvre. Ikete losambo na bango ezipabiso. Nous te demandons tout ceci au nom de ton fils. Tosengi yo manso na kombo ya nkolo na biso Yesu Christo. Amen. Amen. Prions pour clôturer le service divin. Cher Père Céleste, Père d'amour, avec beaucoup de joie et de reconnaissance dans nos cœurs, nous vous disons merci pour tout ceci qui nous a servi, qui nous a enseigné. Nous sommes toujours très reconnaissants à ton égard. Nous mettons sous ta protection paternelle, Père éternel, les offrandes de tes enfants. Rosali Kotika Bananayo Banso Nase Alibateli Nayo. Bénis les offrandes de tes enfants. Pambola Mpe Makabo Yabananayo. Bénis aussi leur labeur quotidien. Ikete O Pambola Mpe Ministère Nabangwa Mokolo. Et bénis aussi les sacrifices de tes enfants. Pambola Mpe Komikaba Yabananayo. Et les sacrifices de tes serviteurs. Nous voulons toujours se sacrifier pour ton œuvre. C'est pour cela que nous demandons de nous donner beaucoup de force. Et beaucoup de zèle pour ton œuvre. Au chemin de retour, sois avec nous. Abrège le temps, Père éternel. Envoie ton fils pour nous prendre. Nous ne pouvons pas oublier notre pays et les autorités. Tokoki kobosa na te mboka na biso. Béni les autorités. Pambola bakonzi. Les membres du gouvernement. Pe ba ebanso bazana katia bokonzi. Même les médecins qui sont en train de faire beaucoup d'efforts pour éradiquer. Zalaminganga o bazo sala makasi ebele. Faites beaucoup plus que nous pouvons te demander par de vaines paroles. Salamingi koloko toko sengo na maloba. Nous te demandons tout ceci, Père éternel, au nom de ton fils Jésus-Christ. Rosali kosengo manso na kombo ya nkolo na biso Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bonzenga ya nkolo na biso Yesu. Bolingo ya Nzambe. Amen. Maintenant, cantique de clôture. Zembo pona kosukisa losambo.